Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite saison 7. Alors je vais commencer par les quêtes légendaires, donc le premier défi va vous demander de recevoir les ordres de Sloan dans une cabine téléphonique. Alors pour réaliser ce défi, je pense que vous allez devoir déjà au préalable parler à Sloan. Donc je vous montre l'emplacement du personnage Sloan sur Fortnite. Donc quand vous aurez parlé à Sloan, logiquement elle pourra vous appeler via une cabine téléphonique. Alors il va falloir faire plusieurs cabines téléphoniques, donc je vous conseille de vous équiper d'une voiture. Ensuite vous allez voyager dans la map, entre toutes les cabines téléphoniques de la map, pour pouvoir recevoir les ordres de Sloan via le téléphone de la cabine téléphonique. Alors pour vous aider à réaliser le défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cabines téléphoniques. Donc vous aurez juste à faire le tour de la map en voiture et à décrocher à chaque cabine téléphonique. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que vous décrochez, il y a possibilité d'avoir 4 personnes qui essayent de vous contacter. Donc regardez bien via les 4 personnes pour voir s'il n'y a pas Sloan qui vous appelle pour vous donner des ordres. Donc voilà, quand vous aurez réussi à recevoir l'appel de Sloan, vous terminerez le défi et vous débloquerez 15 000 XP. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de parler à Sunny, Joey ou Brutus des plages. Alors là, dans le gameplay, je vous montre l'emplacement de Brutus des plages. Vous avez juste à vous rendre à cet emplacement-là, à parler à Brutus, et vous terminerez le défi et vous débloquerez 15 000 XP. Alors vous pouvez aussi aller parler à Sunny ou à Joey. Donc si vous voulez les emplacements, je vous les affiche à l'écran des deux autres personnages. Donc vous pouvez très bien aller parler à Sunny ou à Joey pour terminer le défi et débloquer 15 000 XP. Ensuite, le troisième défi va vous demander de placer des panneaux de bienvenue à Pleasant Park et à Lazy Lake. Alors dans le gameplay, je vous montre 4 emplacements à Pleasant Park et 4 emplacements à Lazy Lake. Ce que vous allez devoir faire, c'est de placer 4 panneaux, soit à Pleasant Park ou soit à Lazy Lake. Quand vous aurez placé 4 panneaux, vous débloquerez 30 000 XP et vous aurez terminé le défi. Ensuite, le quatrième défi va vous demander de placer des radiocassettes à Believer Beach. Alors pour ce défi, vous allez devoir placer 2 radiocassettes. Les 2 emplacements des radiocassettes, je vous les montre dans le gameplay. Donc dès que vous aurez placé les 2 radiocassettes, vous débloquerez 30 000 XP et vous aurez terminé le défi. Ensuite, le cinquième défi va vous demander de placer des dispositifs de communication extraterrestres au sommet des montagnes. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir placer 2 dispositifs de communication. Donc dans le gameplay, je vous montre les emplacements des dispositifs. Donc il y en a sur 4 montagnes comme je vous le montre. Donc vous aurez juste à vous rendre à 2 emplacements et ensuite placer 2 dispositifs de communication. Et ensuite vous débloquerez 30 000 XP et vous aurez terminé le défi. Et le sixième et dernier défi des quêtes légendaires va vous demander d'obtenir de la nourriture pour chat. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Dirty Docks comme je le montre dans le gameplay. Et à cet emplacement là, il y aura des boîtes de nourriture pour chat. Donc vous allez devoir les collecter. Il faut savoir qu'il faut obtenir 2 caisses de nourriture pour chat pour terminer le défi. Et ensuite récupérer les 2 nourritures pour chat et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez 30 000 XP. Alors maintenant je vais passer aux quêtes épiques. Le premier défi va vous demander de danser près du feu de camp allumé.
Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp de la saison 7 de Fortnite. Donc choisissez un emplacement de feu de camp, ensuite allumez le feu de camp et là vous allez devoir taper une danse pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Le deuxième défi va vous demander d'attraper du poisson à des coins de pêche. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coins de pêche de Fortnite saison 7. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est déjà trouver une canne à pêche. Quand vous avez une canne à pêche, vous allez devoir aller pêcher dans des coins de pêche. Donc les coins de pêche, c'est tout simplement des emplacements dans l'eau où il y a des poissons qui font une sorte de petite vague en arrondi comme ça. Et en fait, vous allez devoir pêcher dans cet arrondi pour attraper du poisson. Et ce que vous devez faire pour réaliser le défi et débloquer 30 000 XP, c'est d'attraper 5 poissons. Le troisième défi va vous demander de détruire des bateaux. Alors comme j'ai fait la vidéo un peu en avance, je ne sais pas exactement de quel bateau il parle. Donc moi ce que je pense c'est que c'est des bateaux échoués sur l'île de Fortnite. Donc là je vous montre un emplacement qui se trouve à côté de Catty Corner où justement il y a 4 bateaux échoués, voire même plus. Et en fait ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP, c'est de détruire 3 bateaux. Donc là tout simplement vous détruisez 3 bateaux à l'emplacement que je vous ai montré. Si ça ne valide pas le défi, c'est peut-être qu'il faut détruire des bateaux motorisés. Alors si c'est les bateaux motorisés, pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des bateaux motorisés de Fortnite saison 7. Alors si ce n'est pas des bateaux motorisés qu'il faut détruire, c'est peut-être des petits bateaux en bois que vous pouvez retrouver à Craggy Cliff, comme je vous le montre dans le gameplay. Et si ce n'est pas non plus ces petits bateaux en bois, c'est peut-être des canoës. Alors les canoës, ils se trouvent aussi à Craggy Cliff. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer tous les bateaux dans l'ordre que je vous les ai dit, parce que tout simplement je vous ai dit cet ordre là bien précisément parce que c'est un ordre de probabilité. Donc genre les premiers bateaux que je vous montre, je pense que c'est les plus probables bateaux qu'il faut détruire, et ensuite ben pour finir les canoës, parce que je ne pense pas qu'en parlant de bateaux il parle de canoës. Donc voilà, essayez de le faire dans l'ordre que je vous le dis et logiquement vous allez réaliser le défi et débloquer 30 000 XP. Le quatrième défi va vous demander de planer sur 20 mètres en tenant une poule. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules de Fortnite saison 7. Donc vous aurez juste à vous rendre à l'un de ces emplacements et ensuite attraper une poule et puis voler sur 20 mètres de distance pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Le cinquième défi va vous demander de finir dans le top 10. Alors pour ce défi, c'est très simple, vous allez soit en solo, duo ou section et vous faites en sorte de finir dans le top 10 pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Alors le sixième défi va vous demander de voyager entre des toilettes mobiles. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des voyages rapides entre les poubelles et les toilettes. Cependant, pour réaliser le défi, il ne faudra pas utiliser une poubelle mobile. Il faudra utiliser une toilette mobile. Et les toilettes mobiles, elles se trouvent vers Coral Castle, comme je vous le montre dans le gameplay. Donc rendez-vous à cet emplacement-là, utilisez une toilette mobile et là vous débloquerez 30 000 XP. Et le septième et dernier défi va vous demander d'utiliser des écrous et des boulons. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir des écrous et des boulons sur Fortnite. Alors il y a trois possibilités. Soit vous allez vous rendre près de Rick Sanchez qui se trouve à côté de Weeping Woods comme je vous le montre sur le gameplay. Et de là vous parlez à Rick et là vous allez pouvoir acheter des boulons et des écrous pour 25 d'or. Donc vous aurez pour 25 d'or un seul stock de boulons et d'écrous. Donc grâce à ces boulons, vous allez pouvoir modifier et personnaliser votre arme. Donc en fait, grâce à ces boulons, vous allez pouvoir créer une ancienne arme de l'arme que vous équipez. Donc là par exemple, j'avais un pistolet mitrailleur et ensuite ils m'ont donné un pistolet mitrailleur mais plus ancien. Et c'est pareil avec chaque arme, donc avec les AR et avec les pompes. Donc ça c'est la première possibilité pour trouver des écrous et des boulons. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième solution. Donc la deuxième solution, c'est de devoir trouver des coffres à outils. Donc c'est comme des boîtes de munitions, sauf que c'est des coffres à outils et ils sont rouges. Donc dans ces coffres à outils, vous trouverez des munitions, mais vous pouvez aussi trouver des écrous. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième et dernière possibilité, c'est de les trouver tout simplement par terre. Donc il y a des boulons et des écrous posés un peu partout sur la map de Fortnite. Parfois, c'est dans des coins bien cachés, genre en dessous d'un escalier, derrière un canapé, etc. Mais il y en a posés un peu partout sur Fortnite. Donc voilà les trois possibilités pour trouver des boulons et des écrous. Donc voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite saison 7. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. I'm Nick, bro.